Salut à tous, c'est Bon de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer notre série sur les trans du quotidien et parler des trans de sport. C'est intéressant les trans de sport parce que bah, pour beaucoup d'entre nous qui en pratiquons, on ne se rend pas forcément compte à quel point on est dans cette trans du quotidien, cette trans naturelle qui nous fait focaliser sur un parcours, sur peut-être le jeu en tant que tel, l'objectif du jeu, c'est-à-dire frapper une balle, faire des passes, dribbler, combattre. Qu'importe ce qu'on fait, on rentre dans des transes qui sont particulièrement fortes et qui nous coupent complètement du monde extérieur. Ce qui est encore plus intéressant, c'est pour les personnes qui font du footing ou qui font de la muscu, on les voit souvent avec leur casque. Ils écoutent des sons, des motivationnels, qu'importe ce qu'ils sont en train d'écouter, ils se ferment encore davantage dans leur bulle. On retrouve vraiment ce principe-là de transfermer, c'est-à-dire cette communication conscient-subconscient, en diminuant un facteur de jugement, parce que là, il n'y a plus à juger ce qui se passe à l'extérieur. Il y a une communication interne, une autosuggestion qui entraîne constamment à pouvoir aller plus loin, à être plus précis, à aller plus vite ou à aller plus fort à un moment donné. Ce qui est intéressant également, c'est à nouveau cette notion de focalisation. C'est un moment où on est hyper focalisé sur ce qu'on fait. D'ailleurs, on se rend bien compte qu'il y a des moments, nos perfs sportives, que ce soit en compétition ou complètement à la salle quand on s'entraîne, sont pas du tout les mêmes en fonction de notre état mental. Il s'avère que très souvent, quand on n'est pas focalisé, orienté vers ce qu'on fait, on a l'impression qu'on n'arrive plus à atteindre les mêmes objectifs, voire même sur des choses très marquantes, hein, comme des soulevés de terre avec vraiment un chiffrage, ou même des courses, etc., où on va avoir là à nouveau un chiffrage possible, on se rend compte qu'on est souvent à côté des séances. Ce qui prouve que plus on va rentrer dans notre transe, plus on va pouvoir obtenir un élément positif. Cette transe, vous avez vu, elle n'est pas nécessairement faite par des inductions, c'est-à-dire par un processus qui fait passer d'un état normal à un état de transe. C'est en général nos rituels de départ. C'est parfois quand on prend notre raquette, quand on sort notre raquette, qu'on s'échauffe un petit peu, les étirements qu'on fait. L'échauffement, de façon générale, est quelque chose qui nous fait rentrer en transe. Surtout si en plus, c'est des échauffements au départ généralistes, c'est-à-dire non spécifique au cours qui va être mis en place. Vous allez remarquer que on fait souvent les mêmes mouvements pour chauffer. On a plus ou moins un encodage de comment on va s'échauffer. Il y en a, ils vont, je sais pas, faire des burpees, il y en a, ils vont sauter, il y en a, ils vont juste un petit peu faire un footing, il y en a, ils s'étirent, puis après, ils font un footing. Et chacun ses trucs. Et là encore, on est dans cette transe. Dans cette mise en transe qui se fait naturellement, je suis en train de chauffer mon état d'esprit, je suis en train de chauffer mon corps, je suis en train petit à petit de rentrer dans ma zone. Alors, pas la zone telle qu'on en parle souvent justement dans le monde du sport, qui vient d'un concept psy qui s'est développé dans les années 2000, mais vraiment notre transe qui va nous permettre d'être sur le territoire dans lequel on va exploiter le mieux possible nos compétences, nos qualités. L'intérêt de l'échauffement, c'est souvent ce moment qui coupe avec notre vie quotidienne. C'est le moment où on commence à se mettre dans le bain. On retrouve vraiment cette notion inductive. Je suis en train de sortir d'un état du quotidien pour arriver sur un état sportif. Et dans cet état sportif, en fonction qu'il y ait ou pas un coach, un prof, on va soit s'auto-coacher, et là être complètement fermé, être dans notre propre transe, soit avoir une transe plus ouverte qui va être en train d'écouter le coach qui, en fonction de ses indications, de ses motivations, ses directions, va nous permettre de faire émerger des choses positives à l'intérieur de nous et des directions qu'on va prendre. Cette transe du quotidien, elle est parfois pas assez exploitée par nous-mêmes en tant que sportifs. On ne se rend pas compte à quel point on est autosuggestible à ce moment-là, à quel point on peut l'exploiter de façon particulièrement forte et positive. Certains s'en rendent compte, notamment dans la muscu ou dans
dans les disciplines à performance où ils vont s'hyper motiver et se dire là, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Ils se concentrent à fond. Donc, ils sont vraiment dans cette notion de je focalise, je me donne de la suggestion, je focalise, suggestion, je focalise, suggestion. Je bouge mon corps pour avoir une réaction à ma suggestion. Donc, l'esprit va nourrir le corps pour aller faire, par exemple, leur lever ou leur pousser. Et se dire, ok, là j'ai réussi à faire ma rep, c'est bien, je suis content. Et on les voit vraiment dans ces espèces de discours internes, de cheminement interne. On l'a aussi dans les sports d'équipe où, quand un coach commence à donner vraiment des indications et dire là, il faut que tu en aies encore 5 à faire, il faut que tu continues là-dessus, il faut que tu accélères, etc. On voit vraiment à quel point le sportif arrive à être déterminé, et déterminé vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis d'un objectif à atteindre. Et on est à nouveau dans cette notion hypnotique de je mets toute mon énergie vers cet objectif. Et vous allez souvent remarquer que vous n'avez pas de jugement à ce moment-là. Vous allez vous dire simplement d'un point de vue purement logique, mais il est taré, je vais jamais y arriver, pas de souci. Mais pour autant, il n'y a pas une notion, comme je vous disais, de juger ce qui va être fait. On est en train de le faire en se disant c'est chaud, et pourtant on est en train de le faire. C'est-à-dire que la suggestion est en avance sur le jugement négatif à se dire ça va être trop dur, quoi, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. On est en train de courir, on est en train de se dire putain, il me fait encore faire 3 push-ups, il est en train de me faire encore 3 tractions, il est en train de me faire un combat en plus. Ah, et en même temps, on est en train de le faire. C'est-à-dire que la suggestion extérieure a un temps d'avance sur notre facteur critique, et on est en train d'avancer. Et ça, c'est un élément qui est vraiment intéressant. On se rend bien compte qu'on aurait la possibilité d'abandonner, de laisser tomber, etc. Pour autant, on est dans ce pattern, c'est-à-dire ce modèle qu'on a mis en place, ce mouvement qu'on a mis en place. Et parce qu'il y a ce mouvement, même si on s'aperçoit que on arrive à nos limites, qu'à un moment ou à un autre, notre psyché comme notre corps est en train de dire stop, on arrive à se dépasser. On arrive à aller au-delà, on arrive à aller dans les ressources potentielles du subconscient, puis donc les ressources inconscientes, pardon, du corps, des ressources physiques, et on va à ce moment-là, bah, souvent dépasser quelque chose. Ce qui est exactement ce qu'on arrive à faire bah, dans l'accompagnement, voire même dans l'hypnose de scène, quand vous voyez certaines performances que permettent les hypnos de scène à leurs partenaires qui montent. Donc, cette idée de transe sportive est un élément qui est hyper intéressant pour nous pour le réexploiter dans le quotidien. Nos transes du quotidien, si on y fait attention, si on commence à les orienter, à les redécouvrir, à les ancrer, c'est-à-dire à pouvoir les redémarrer très rapidement. Là, comme je vous ai dit, on a un rituel d'échauffement, mais plus vous allez pouvoir vous rendre compte de cette focalisation, de cette aptitude à vous dépasser petit à petit, parfois même de vous dépasser complètement, de ce dialogue interne qui va vers cet objectif, de cette idée à ne penser que sur un point fixe, et je vais aller plus dans l'engagé hypnotique, dans cette sélectivité que vous allez faire de votre pensée, ou des gestes que vous allez faire, ou de la performance que vous voulez atteindre, vous entrez vraiment dans un modèle de séance d'hypnose du quotidien, pour autant jamais nommé comme ça. Et qui, en fonction, si vous êtes bien sûr drivé par quelqu'un d'extérieur ou par vous-même, du coach et de la sémantique, des mots qui vont être utilisés, va vous permettre d'augmenter à chaque fois des résultats, un impact sur vous et une sensation de réponse à une suggestion. Et dès lors, vraiment, le phénomène de succès hypnotique ou de transe que vous êtes en train de vivre. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!